Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, suite à la chirurgie que Félicia a encore eue, Mouchdad donne son opinion sur les filles qui ont constamment recours à la chirurgie. Et je vous laisse avec la vidéo. Je suis un peu stressée. Ouais. Et j'ai envie d'être endormie. Je suis prête. Mais tu stresses pas? Non, ça va. Ça va? Elle ment, elle a dit je stresse comme pas possible. Non, ça va, c'est pas... truc de ouf non plus. Quoi? Non, ça va, tu vas pouvoir t'inquiète, t'es une guerrière. Ça va bien se passer, mon cœur, t'inquiète. Je vais aller retrouver Félicia. Je pense qu'elle va pas tarder à sortir son opération. Qui a duré quand même assez 4 heures. Donc je vais aller la voir. Comme je vous ai dit, j'étais pas pour cette opération-là. Mais elle y tenait vraiment. Vous savez, quand une fille a un truc en tête... je ne vais pas rentrer en guerre avec elle. Donc, parce qu'elle n'en a pas besoin. Vraiment pas besoin. Elle est très bien. Le bon Dieu l'a gâtée. Vraiment. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Donc, je ne suis pas forcément pour faire de la chirurgie. Pour faire de la chirurgie, c'est ce que j'ai dit sur mon Instagram. Moi, je suis partisan de la chirurgie réparatrice. Qu'elle soit psychologique ou physique. C'est-à-dire que quand je dis psychologique, il y en a. Bah, c'est un complexe, je sais pas, par exemple, je vais vous dire une connerie, une femme qui a des petits seins et qui va avoir une belle poitrine, pour elle, c'est un gros complexe, elle en a souffert et tout. Ça, je peux comprendre, parce que pour elle, c'est un complexe, ça l'empêche de vivre carrément, ça l'empêche d'être bien dans sa peau. Ça, c'est un complexe psychologique. Donc, si elle le fait et derrière, elle va sentir mieux, ok. Mais, et là, je parle vraiment à toutes les filles, vraiment. Moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est mon opinion personnelle. Faites pas de la chirurgie pour faire de la chirurgie. Je vous jure qu'aujourd'hui, en tout cas, la plupart des gens que je côtoie, des hommes que je côtoie, on aime la femme avec ses défauts. Avec ses défauts. Une femme trop parfaite, une poupée gonflable, je vous jure, ça ne m'attire plus. C'est bien pour les clients de rap américain, mais ça ne m'attire plus. C'est pas ça la vraie vie. Donc la chirurgie pour, entre guillemets, réparer certaines choses chez vous, je veux bien. Mais quand ça devient une addiction au point que tous les mois vous faites de la chirurgie, au point qu'on ne vous reconnaît même pas, parce que avec des années on ne vous reconnaît plus, vous savez, la mère nature elle rattrape. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, la nature reprend le dessus. C'est-à-dire que vous pouvez faire autant de chirurgie que vous voulez, vous prenez de l'âge, et quand vous prenez de l'âge, forcément... il y a des choses qui sont inévitables. Donc, faites de la chirurgie, mais vraiment, vraiment mesurée. Pas que ça devienne un bloc opératoire. Ouais, après, celles qui le font pour un kiff et tout, franchement, pensez à plus tard. Pensez à plus tard parce que, on a tous des imperfections et toutes les femmes sont belles avec leurs imperfections, je vous le jure. Toutes les femmes sont belles. Après, faites un peu de sport. Je vous jure, le sport, c'est la clé de tout. Buvez de l'eau. Vous allez avoir une belle peau. Faites du sport. Vous allez avoir un beau corps. Faites des squats. J'en sais rien. Mais ne gâchez pas votre temps, votre argent, votre énergie. Et surtout, il y a de la souffrance derrière. Ok, il faut souffrir pour être belle. Mais t'en as la mort. Complètement. Vraiment. Donc, je respecte vos choix pour les filles qui font de la chirurgie. Mais n'en abusez pas. N'en abusez pas. La chirurgie, c'est réparatrice, que ce soit physique ou psychologique. Tu veux faire un bébé, ok, ça va, c'est pas un truc de fou. On prend ta graisse, on l'enlève d'une partie, on la met juste ailleurs. C'est-à-dire qu'à l'ailleurs, c'est pas très très grave. Le point de toucher ton nez, tes pommettes, tes yeux, tirer des trucs. Oh là là, non. Quand même, restez un minimum. Naturel. C'est le conseil que je vous donne. En tout cas, c'est le conseil que je donne à Félicia. Maintenant, elle a 22 ans, bientôt, elle fait ce qu'elle veut. Elle est libre de ses choix. Moi, j'essaie juste de la raisonner. Mais bon, on va dire, un bébé, ça va. Ça passe, c'est supportable. Mais s'il vous plaît, faites très attention. Parce que vous pouvez être pris dans un engrenage, que ce soit votre entourage, les gens, vos copines qui vous disent mais tes fesses, mais tes seins, ton nez. Non, je vous jure que non. N'écoutez pas les gens et encore plus, maintenant on est sur le monde des réseaux sociaux.
vous avez des haters, vous avez des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous font croire qu'ils vous aiment pas, mais ils sont fans de vous, mais ils vous critiquent quand même. Rentrez pas dans ce jeu-là, je vous jure, c'est trop compliqué parce que l'imperfection, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Parce que vous prenez de l'âge, vous allez prendre du poids, vous allez avoir des enfants, vous allez prendre du poids. Enfin, je veux dire, personne reste jeune éternellement. Personne. Donc, on prend tous de l'âge, que ce soit l'homme comme la femme. Apprenez à vous accepter. Apprenez à vous trouver beau, apprenez à vous trouver belle. Je vous jure. Mais, encore une fois, voilà, vous faites de la chirurgie mesurée, pas au point de changer d'identité. Vous comprenez ? Par exemple, il y a une copine à moi, elle a fait une réduction mammaire. Elle en souffrait. Parce que pour elle, c'était son complexe, elle avait une trop grosse poitrine. Donc pour elle, le fait de faire ça, bah, ça l'a libérée. Elle se sent beaucoup mieux dans sa peau. Ça s'appelle de la chirurgie réparatrice. C'est-à-dire que c'est psychologique, ça vous enlève un complexe. Ok. Mais n'en faites pas une addiction, les filles. N'en faites pas une addiction. Parce que vous n'allez pas rester jeune, vous allez prendre de l'âge, vous allez être maman, vous allez faire du sport. Peut-être pas, même pas. Enfin, je veux dire, votre corps va changer au fur et à mesure des années, et bah, la nature rattrape, vous comprenez, vous rattrape. Donc, vous pouvez avoir les meilleurs chirurgiens du monde, tout ce que vous voulez, vous allez, à un moment donné, bah, passer par la case où la nature va rattraper les choses. Donc, faites de la chirurgie, mais mesurez. Ne devenez pas vraiment addict, parce qu'après, c'est très dangereux. Dans mes commentaires, oui, mais les stars américaines, c'est leur boulot. Leur physique, c'est leur boulot, c'est leur gagne-pain. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, elles investissaient dans leur boulot. C'est comme demain, tu as une entreprise, je ne sais pas moi, tu as des machines, tu investis sur une machine pour qu'elle te rapporte derrière. Et ben, les stars américaines, c'est un peu pareil. Elles investissent sur leur physique pour que ça leur rapporte derrière. Vous comprenez ? C'est des contrats, c'est des investissements. C'est comme si, en fait, elles investissaient dans une machine. Parce que son corps, son physique, c'est son gagne-pain. Vous comprenez ça ? Toi qui as une vie normale, qui, je veux dire, c'est ton physique n'est pas ton gagne-pain, ne les prends pas en exemple. Après, oui, tu peux faire en sorte d'être belle, tu peux enlever tes complexes, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas que ça devienne vraiment une addiction où, ben, en fait, tu t'amochis plus qu'autre chose au fil des années. Donc, gros big up aux femmes. Vraiment, vous êtes toutes belles comme vous êtes. Et ne vous laissez pas avoir par Instagram ou les réseaux sociaux, parce que c'est fake. Et ce qui est fake, je vous jure, je suis venu voir Félicie à l'hôpital. Je vous jure juste pour la douleur. Vous voyez, quand je la vois, comment elle a souffert là. Parce que ça fait mal, c'est une opération, forcément. Ça fait très mal, juste pour ça. Je vous jure, jamais, mais au grand jamais. C'est un délire, là, elle tremble de partout. Parce que, vous savez, il y a l'anesthésie qui part. Elle n'a pas mangé de la journée. C'est très compliqué, elle a mal partout. Pourquoi toute cette souffrance? Je vous jure, pourquoi? Alors tu vas à la salle, tu travailles, tu t'entraînes. Je sais pas. Enfin, voilà. Là, le fait de l'avoir comme ça, ça m'arrache le cœur. Mais c'est son choix. Donc j'essaie de la soutenir du mieux que je peux. Mais voilà quoi. Il n'y a pas à souffrir comme ça, en fait. Mais c'est son choix. Je respecte. Et ça me fait vraiment.